je suis designer de mode et je suis professeure à l'école de mode de l'UQAM. Alors, l'exposition se divise à peu près en deux parties, les vêtements interactifs et les collections non interactives. Parmi les projets interactifs, nous avons des projets activés par le son, par le regard, par la lumière. Donc, ce sont tous des objets qui sont activés par des éléments intangibles. Bonjour, je suis Perkur Bergman, directeur du Centre de design de l'UQAM et professeur à l'école de design. Ça fait partie de la mission du Centre de design d'exposer le travail de recherche et de création de nos professeurs. Mais dans le cas de Ying Gao, c'est pas juste ça. Elle a déjà une réputation internationale. Et puis l'intérêt de cette exposition, c'est de montrer au grand public, parce que c'est une institution publique, le Centre de design, que le vêtement, ça ne sert pas juste à nous protéger des intempéries ou à ne pas être nu, mais c'est aussi une réflexion d'ordre social et culturel.